Et donc, salut tout le monde, c'est Zemi, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Risk of Rain. Alors, j'ai un peu avancé sans vous. Voilà, je suis à 89% du jeu, j'ai pris des nouveaux achievements, c'est-à-dire là, Handy, tuer 10 ennemis avec Force Reassembly en même temps. Ensuite, j'ai fait Acrid, faire les 10 000 pieds, ensuite j'ai fait les 20 000 pieds de avec Hydroid Gauntlet. Voilà. C'est pas mal. Il nous en manque encore beaucoup. Aujourd'hui, on va tenter de faire ceux du mineur. Et si on n'arrive pas à les faire, eh ben on avancera. Voilà. Alors, pour faire ça, on va aller en Drizzle. Voilà. Je suis désolé pour ça, mais on va aller en Drizzle. Ouh, c'est un dash en arrière. J'ai jamais joué le mineur en vrai. Donc il faut pas se faire toucher plus d'une fois. Donc attendez. C'est quoi les achievements? Survivre à un event du téléporteur sans tomber en dessous de 50% de vie. Ok, c'est faisable. Et il faut que j'atteigne le niveau 10 sans se faire toucher plus d'une fois. Les deux sont faisables. Bien cette attaque. C'est pas mal, hein. Oh, c'est cool. Ah, c'est cool. Il est totalement fait au niveau des dash. C'est super cool. C'est super cool à jouer. Alors, par contre, j'ai vu une barre de chargement. Ok. Oh, ça fait tellement du bien quand ça one shot. Oh, j'ai pas pris de dégâts. Ok, c'est super cool à jouer en vrai. J'aime bien. J'aime bien au niveau des dash, tout ça, c'est pas mal. Le téléporteur est juste là. Si tout va bien, on pourrait faire l'event sans mourir, sans tomber en dessous de 50%. Si c'est un magma worm, ok, ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur. Ok, je suis pas tombé en dessous de 50%. Je me suis fait toucher deux fois, donc celui-là il est mort. L'autre non. Ok, je devrais pas tomber en dessous de 50%. Non, non, si tout va bien. Je suis pas con. Fuck. Les deux, ils étaient là, l'un à côté de l'autre. Ils se sont dit, bouge pas, hein. On a une position, hein. Faut hold. J'avoue que il a deux capacités qui le rendent invincible. Et une autre qui le rend quasiment invincible parce que tu peux pas monter aussi haut. Donc il faut arriver au troisième event. C'est ça, hein? Non, au niveau 10. Sans se faire toucher plus de 3 fois. De une fois. C'est assez compliqué. Mais c'est faisable assez facilement si jamais on fait comme il faut. J'avoue que c'est faisable, franchement. Donc il faut que je clear l'event. Il en reste un. Et ça nous a débloqué la mine, super. On va juste aller là, prendre ça et retourner au menu principal avec l'achievement de débloquer.
Survive the teleporter event without falling below 50% health. C'est fait. Maintenant, il faut arriver au niveau 10 sans se faire toucher plus d'une fois. Ce qui est faisable parce que... Regardez-moi ça. You cannot be hit. You cannot be hit. Voilà, ça, ça rend immune. C'est ça qui est bien. Donc, il faut arriver au niveau 10. Sans se faire toucher plus d'une fois. Wow. C'est très cool à jouer. C'est très sympa à jouer. Donc, il faut arriver au niveau 10. On va juste rester dans cette zone, je pense. Parce qu'elle est simple. C'est simple de ne pas se faire toucher en vrai jusqu'à arriver au niveau 10. Ça veut dire pas de téléporteur. Et on a le droit de se faire toucher une fois aussi, il faut pas oublier ça. On a quand même le droit de se faire toucher une fois. C'est du 50, ok. Le prix n'a pas augmenté. Pas encore en tout cas. Ah le bâtard. Je dois plus me faire toucher jusqu'au niveau 10 donc. Dommage. J'essaye de... Ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué de faire ça. Voilà. Oups. Ah, Timekeeper Secret. Si j'active ça, ça veut dire que j'ai fuck up. Le téléporteur est là. Comme j'ai dit, je dois juste arriver au niveau 10, donc on va pas se servir de téléporteur. C'est un peu des ennemis chiants ça je pense, quand on veut faire ça. Parce que t'es au corps à corps. Est-ce que le deuxième peut dash aussi? Ah, je me fais tout. Je suis désolé. Sur mon instant de rage, j'ai appuyé sur plus. Oups. Bon bah, on repart. Désolé. Désolé pour ça. Ok, on repart. C'était pas mal. On va pas prendre de risque de se faire toucher. Attends, voilà, ça s'est fait. On va descendre d'abord. Atteindre le niveau... Ouais, ça va être un peu long d'atteindre le niveau 10 comme ça. C'est bizarre cet item. Ok. Combo. J'aime. La truc la plus dure à se servir. Bah, certainement sa dernière attaque. Certainement sa dernière attaque, qui est assez compliquée à servir, à utiliser en fait. Parce qu'il faut bien timer. Ce que je trouve bien. Bundle of Fireworks.
Je me suis fait toucher, putain, merde. J'ai pris les dégâts de folle. Interstellar d'Explant. Ouhou, l'élite il a failli me toucher. Oh putain! C'est tellement risqué de tenter ça! Tout ça pour aller voir un drone. J'ai bien chargé. Il a pas pris le bait! Il a pas pris le bait. The fuck. C'est compliqué. Ouais. Alors le problème avec Drezo c'est qu'on est en very easy jusqu'à 7ème minute, un truc comme ça, 9ème peut-être. Donc c'est extrêmement long. Oui. Mais c'est le moyen le plus safe de le faire. Est-ce que je peux faire ce saut? Normalement oui. Mais oui monsieur. Je peux te faire toi encore. Oh! C'était beau. Beaucoup d'Interstellar Desk Plant. Alors que l'item sort presque à rien. Non, non! Je suis con! J'aime vraiment pas ces trucs. Qu'est-ce que c'est mon meilleur truc? Time spent untouched. 442. Bon, on va revenir en monsoon parce que merde. C'est pas assez rapide. Pour gagner l'XP là, c'est vraiment pas assez rapide. Oups. Vraiment. Wow, le dodge! Le meilleur dodge, c'est celui qu'on n'attend pas. C'est un peu ça. Souris. Genre! Ah oh non, je suis mal chargé. On va avancer. Ça va être déjà mieux parce que la difficulté va augmenter bien plus vite. Normalement je vais vous dire, hein, j'étais déjà censé être en normal. Et j'étais toujours en very easy. Donc du coup c'est un peu chiant. Quelle mamie! What the fuck? The Murian attack! Jeez! Ah, il me l'a mis ça! Je m'y attendais pas! Je m'y attendais tellement pas! Fou! C'est vraiment pas loin de pas le choper lui. Ouf. C'est super chaud par contre. Est-ce que ça compte?
me demande si Guardian's Heart compte comme prendre un dégât. Je pense. Ça, par exemple, c'était mal timé. Ça va être chaud le buter lui en dessous. J'ai géré. Un peu d'argent en plus. C'est ça, life savings. Hein. Un peu d'argent en plus. Meurs. C'est bien joué. J'ai mis un coup de pioche, le pauvre. Pickaxed. What? Il est passé au milieu de ma balle. C'est chiant. Comment il appelle? Crush. Je peux respecter ça. C'était proche. De backup, pas mauvais. Pas mauvais pour la situation dans laquelle je suis. Backup. Le truc bien, c'est qu'ils reviennent assez rapidement, les backups. 40 secondes. Je hais ces trucs. Ok. Pas parce qu'ils font mal ni rien, hein, mais je les hais parce que c'est chiant à buter. Sans se faire toucher. C'est ce que je veux là, je veux pas me faire toucher. Jusqu'à être au niveau 10, il faut pas se faire toucher. La connerie! Je t'emmerde, jeu. Tu me donnes deux fois un backup, quoi. Celui-là aussi, c'est un backup. Allez, viens. Jack. Mauvaise idée d'y aller. Oh, géré. Géré. Serious Vario, premier item. Là, il faut pas des items de vie en fait, il me faut des items de dégâts. C'est ça le truc. Du coup, c'est pas énorme. Oh, ce saut. Que j'ai dit, j'ai pas besoin d'item pour le. Lol. Pickaxed. Lol. Allez. Niveau 6, plus que 4. Mais je dois pas me faire toucher une fois maintenant. Allez.
Si je me fais toucher une fois, c'est mort. Je dois recommencer encore une fois. Ça deviendra officiellement le challenge le plus compliqué. Oh, ce mortier! Les dégâts! Fuck. Par contre, j'ai tellement de gap closer, c'est un truc de ouf. Oups. Mauvais. Mauvais sens au niveau des touches. Backup. C'est bon. C'est bien que les backups ce soient des trucs Evan craqué. Parce que. Je l'ai fait tourner en boucle lui. Et devant, et derrière. Frost Relic, bien pour les autres cons là. J'aurais bien aimé un Barbed Wire aussi pour les autres cons. Ou un Churchfield. Ouais, pour eux là. Il y en a quatre. Boom. Boomed. Pickaxe. Il est pas mal le mineur, hein. J'aime bien. J'aime bien le style où il faut vraiment mash ses capacités, pas ses autos. Mais j'aime bien aussi mash les autos. Parce que... par exemple le nouveau perso, qui devrait être sorti sur LoL d'ailleurs, au moment de la sortie de la vidéo, normalement, parce que celle-là, elle est faite pour le mardi de ma rentrée. Je prévois vraiment à l'avance là en ce moment, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je me suis dit, il faut que je fasse des vidéos. Bon, du coup, désolé, c'est beaucoup de Risk of Rain, mais. Eh, Risk of Rain est un bon jeu. Oh putain, je croyais que c'était moi qui me suis fait toucher. Non, c'est un backup. Niveau 8, il m'en manque 2. Ah, mauvaise touche. J'étais sur le R. Ah, ya. Yada. Styled. Ok, cette fois-ci ça a marché. Oh putain, c'est tellement proche ça. Allez, plus qu'un niveau et un peu. Non. Si c'est un magma worm, je suis mort donc. Oh. On va d'abord tuer eux. Hein. On va descendre. Allez, venez-vous. Eh, il y a plus de soirée là. Hasta la vista, baby. Niveau 9, plus qu'un. Plus qu'un dernier. Ça devrait avoir de l'XP bleu en lui. Il a spawn devant moi, le bâtard. 7 minutes 40 juste pour ça. J'ai fait combien de temps sans me faire toucher? 7 minutes 40! Bah bon. On va retenter. Pas dernier essai, on va retenter. Voilà. Oh gueule! Ta gueule! J'ai dit ta gueule! Niveau 2, maintenant je le one shot. C'est ça qui est bien. Je vais le one shotter pendant un moment, c'est ça qui est bien. Ah, je suis triste.
Niveau 9 quoi, les mecs. Putain, tellement pas de chat. Oh, j'allais le tuer lui. Donc je me suis pas encore fait toucher. En une minute. Plus que à peu près 8. Il est plus lent que les autres, lui. Ok, j'ai réussi. First aid kit, ça va pas m'aider. Headstompers non plus. Avançons. Le mineur est sympa. Hein. Franchement, c'est la première fois que je joue, mais il est sympa. J'hésite à prendre le backup parce que ça m'a bien aidé. Ah, je vais le prendre. Ah, on a un appel du 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et mes parents l'ont payé. Ils aiment prendre des scams, hein, mes parents. Un truc de ouf, par contre, comme ils aiment les scams. Ok, plus que 5 niveaux. Nous sommes à mi-chemin et on s'est pas encore fait toucher. Donc on a une chance. Et on a un backup. Ça va être chaud hein, quand même. Hein. Ok, ça a encore marché, c'est bien. Meilleur d'achèveur, bon. Je me suis dit le backup c'est pas mauvais parce que là, bah ça peut m'aider. Par exemple pour ça, j'ai pas envie de l'affronter. Pas du tout. Donc on va le laisser faire. Fais un drop. Bon. Oh, j'ai failli me tuer. Dans la vraie vie, pas dans le jeu. Dans le jeu, une chute ne vous tue jamais. Mais tiens. Qu'est-ce que c'est l'item en haut? Juste pour voir ce que j'allais louper. Smart Chopper. On n'arrêtera pas tant qu'on n'a pas fait ça. Vous deux, venez. À Salveist. Fucker. Fucker taco. Yeah. J'ai failli me faire one shot. Je me demande d'ailleurs pourquoi je me suis pas fait one shot parce que c'était du 13 de dégâts. Donc, et j'ai 12 HP. Mais bon, dernière chance, on ne va pas se faire toucher. On a encore une possibilité, voilà. C'est faisable encore. C'est faisable, y'a rien à dire. Ça c'est bien. Ah, peut-être. Bon, pas vraiment en vrai, mais. Je pourrais avancer au niveau des zones. Il est vrai. Il est vrai que je pourrais avancer au niveau des zones, mais les boss, c'est dur à faire, hein. Sans se faire toucher. En vrai, pas tous, mais j'ai pas envie d'affronter un Magma Worm, hein.
J'ai cru encore que ça comptait. Est-ce que ça compte les dégâts de chute? Je me demande. Peut-être pas en fait. Je suis en train de me dire, mais peut-être pas. Je vais quand même pas prendre le risque et me dire que je me suis fait toucher une fois sur l'autre partie. Toute façon, Smart Chopper. Bon, c'est pas très grave, on a déjà fait un achievement pour aujourd'hui, c'est déjà ça. Un achievement facile, hein. Fait en Drizzle, je sais. C'est la première fois que je joue en Drizzle, ne vous inquiétez pas. Faut déjà de me knockback en avant, moi, en arrière. Alors que je vais aller en avant. Comme ça. Imaginez pendant votre dash, vous n'êtes pas invincible. Vous êtes défoncé par les élites en fait. Y'a rien à dire. Les élites ils prennent, ils vous disent non, qu'est-ce que tu fous mec? Non, non, non. Un barbarier ça va m'aider contre eux là. Un taser. Okay. Voilà. Ça meurt de proximité. On peut rester là, pas mal ici. Un quib. Parce que oui, je crois que c'est dit comme ça. Quib. Si vous me croyez pas, bah. Fuck it. C'est pas très grave, hein, au pire. Niveau 6, plus que 4. Sans se faire toucher, parce que je me suis déjà fait toucher une fois. Desolate, désolé, j'ai encore appuyé sur le truc. Sur la touche. Faut peut-être que je change ma touche. C'est sur plus. Après, c'est moi qui veux la mettre sur plus. Hein. Jerked. J'adore le coup de pioche. Genre tu le mets dans le crâne. Yam. C'est un peu Minecraft quoi. LOL, j'ai le mec au-dessus. Ah, je me suis fait toucher. Non, je me suis pas fait toucher. Point. Donc on est bon. Pour le moment. J'allais tuer ce jeu, je crois. Hein. Si je prenais un dégât, j'arrêtais ma carrière. Courte, de toute façon. Mais... insignifiant. Merde, c'est triste ça. Hein. Ah, ils sautent, hein, ils s'en battent les couilles. Ah, mais ils vont loin en plus, les bâtards. Ah, mais revenez! Il est pas revenu. Sniper mode. Merde, j'aurais dû les envoyer de l'autre côté. Bon, bah, aussi, ils sont morts. Je crois que je peux faire grand chose. Je dis pas non. Parce qu'après, dès que j'arrive au 10 niveau, je continue la run. Hein. Ça, c'est le, sachez-le. Ok, ça a marché cette fois. Je suis pas fait toucher là-dessus. Oh.
Ok, on a bien joué là, c'est bon. Bloquez-les dans un coin, hein, les imps. Churchfield, bien. Dois pas me faire toucher et ne pas avoir de bleu aussi. Ça m'a fait des dégâts de chute! C'est maintenant qu'on va voir si les dégâts de chute ça compte pour le chip. Comme ça au moins. Ça m'énerve. J'ai pas pris de dégâts là-dessus, c'est assez chanceux. C'est une quête dure. Je dirais la deuxième plus compliquée. La deuxième plus compliquée après Commando No Damage. Ça c'est chiant. Monsoon Mercenaire c'est assez simple. Très simple même. Fallait juste finir le jeu en Monsoon avec Mercenaire. Hein. Donc bon. Le run qu'on appelle le Mercenary Monsoon. Et ensuite il y a le Commando No Damage, qui est le plus compliqué. Même si j'ai pas pris tant d'essais que ça, mais j'ai une run assez facile. J'ai les trois meilleurs premiers stages. C'est ça que je veux dire, parce qu'il faut faire, il faut se faire toucher aucune fois, vraiment zéro fois, sur les trois premiers stages avec le Commando. Là, on a le droit de se faire toucher une fois quand même. C'est pas beaucoup quand même. Mais Le téléporteur est juste en dessous. Barbed wire. Item acheté. Oh, j'ai eu chaud, mais c'était classe. Déjà un élite vert. Ok, il est mort. Les deux élites problématiques vont être... Ouais, pas lui. Lui, il va être problématique. Ok. Bouncing Brain, pas vraiment. Toi, on va te prendre par contre. Ça va m'aider un drone, hein. Un drone va m'aider. À faire des dégâts tout seul, en fait. Ce que j'ai besoin. Non, ne descends pas.
Je ne vais actuellement plus parler. Plus un mot. Toxic Centipede, nouvel item donc. De proximité. Donc ça vous fait un truc qui fait un cercle autour de vous et puis ça fait des dégâts dans la, sur la durée. C'est un bon item. Allez, viens. Ok. Je pensais pas qu'il pouvait me toucher. Blurian Behemoth. Ah, le Toxic Centipede il explose pas. Un deuxième en bas. Pour montrer que je peux être très sérieux quand je veux aussi. Can't take any of this bullshit anymore. Ok, on est bon. Spawning egg, ça sert à rien. J'ai une forteresse avec moi là. Les trois drones qui m'aident tellement. Les ennemis peuvent pas encore venir vers moi, c'est ça qui est bien. Parce qu'ils prennent trop de dégâts en fait. Grâce au drone, ils prennent trop de dégâts. Niveau 8, plus que 2 et on doit pas se faire toucher.
Oui, parce que c'est un élite et c'est un golem. Donc du coup, oui, lui il a assez d'HP pour pouvoir me résister. J'avoue que les élites c'est un peu chiant quand même, hein, le fait qu'il y ait autant d'élites. C'est un peu ce qui fait ma run là. Hein. Le fait que je peux pas faire ma run en fait. C'est un peu chiant quand même. Hein. Normal. Ok, si jamais j'y arrive pas sur ce coup là, je pars en normal. Difficulté normale. Dash arrière. De heal, je m'en fous. Total. Le téléporteur il est en bas, mais c'est pas grave. Je recorde ça 2 jours après l'épisode 6. Donc l'épisode 6 était le 9 avril. Nous sommes aujourd'hui le 11. C'est dire que je prends un peu d'avance. Un 56 évidemment. C'est quand on a pas besoin qu'ils viennent. Parce que vous, vous pensez que là j'ai besoin d'un 56 Leaf Clover. Hein. Regarde, y a Vicky là, il doit avoir un HP. Non, 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 mon petit. Je me prendrai pas encore un dégât con. Désolé pour le micro. J'ai des plans pour m'acheter un Blue Yeti, mais ça va venir. Ça va venir, le Blue Yeti va venir. Pas encore, mais il va venir. Voilà. Il faut un peu augmenter au niveau de la qualité, hein, au bout d'un moment. Je me suis pris un micro à pied, mais il était dégueulasse. Dégueulasse, regardez-le. Il est dégueulasse. C'est de la marque, quoi.
d'honneur. Bah, il est dégueulasse. Après, je suis pas obligé d'affronter tous les ennemis, hein. Par exemple, lui là, je suis pas obligé de l'affronter, hein. Choisissez vos ennemis. Je pense que je vais faire ça. I choose you, dickhead. Voilà, ça c'est bon, c'était le combat le plus facile de ma vie, je crois. Ok, niveau 7, on s'est pas encore fait toucher. Foreshadowing. Allez, viens là. On est bien là. Eh ben non. Donc, on est bien hein, dans la partie. Niveau 8, on s'est pas encore fait toucher. C'est des gros coups de pioche, hein. C'est quel le délire, hein. Est-ce qu'il est toujours là l'autre? Eh oui, il est toujours. Mais il me reste deux niveaux. On va pas louper maintenant. Not today. Presque à la fin du niveau 8, mais pas encore. Niveau 9. Un dernier. Un dernier niveau. Nous sommes intouchables depuis 7 minutes et 17 secondes. Churchfield générateur m'aide beaucoup. J'avoue que ça m'aide pas mal le Churchfield. Ma caméra n'est pas droite, bonjour. Elle est chaude. Eh ben alors ma petite webcam, on tient plus? Webcam de HP. Placement de produit. Non. Oh fuck are you? Je crois que je vais changer de zone. Pourquoi je suis revenu? Oh, je voulais passer en dessous de l'échelle. Et j'ai loupé. J'ai loupé avec le dash. Pisse. Ah ouais, j'ai mon meilleur score d'intouchable, 8 minutes pile. Ah oui, j'avais dit que je passais un. Va être plus facile. Je reviens un Churchfield ou un Barbed Wire. L'un ou l'autre, ou les deux. Tu t'es pas fait encore buter avec les autres. Et là, oui. Get styled upon. Yeah. C'était gênant. Très gênant, bonjour.
Zen Shackles. Niveau 2. Est-ce que je vais réussir cette fois? Je le voyais venir. Il me faut pas dégâts de folle. Il me faut pas dégâts de folle. Je vais plutôt attendre un Dry Lake. Je préfère Dry Lake que Desolate Forest. Parce que... voilà, Dry Lake est plus plat. Et la musique est meilleure. C'est un Shadow Mirror là-haut. Un putain de Shadow Mirror. I'm confused. Le pire c'est que je vais le prendre. Hein. Oh putain, désolé. Bonjour. Je me suis mangé le mur mais je les ai quand même buté. J'ai fait, je suis pas passé messieurs. Attendez-moi. Ouais non, Dry Lake est quand même bien plus plat, il faut le dire. Merci la Immune. Immune qui me sauve la vie. Je vais à Pirito Gamez là-dessus. En plus je m'en fais toucher. Rito Gamez. Oui je sais, c'est même pas eux qui ont le jeu mais. Mais vos gueules. À chaque problème, la solution c'est Rito. Et pas Yuki Rito. Non, non, pas lui. C'est pas la solution. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que la solution soit un mec aussi dense que ça. Ça peut être son inverse. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Sur la vidéo de LOL, y'a qui? En image. Ouais, je me suis décidé de faire au moins un petit montage sur ça. Le nombre de vidéos que j'ai fait sans montage, je me suis dit. Merde quoi, il faut au moins en faire une avec. Oui, je me suis fait toucher! Vous savez quoi? Fuck it! Évidemment. Merci Magma Worm. Espèce de bâtard. Salope. Le moment où je me dis fuck it, Magma Worm. Ah! Ah, pas de chien! Allez donc! C'était le téléporteur le plus rapide que j'ai jamais trouvé de ma vie pendant 10 secondes. Ça va être déjà plus simple. Hein. J'ai pas d'XP, pas. Comment t'es en bas? C'est pas censé marcher. Putain, ça m'énerve. J'arrive pas. Hein. Bon, du coup, c'est le chill. Putain. Fail en série, bonjour. Combien on a fait? Sérieusement. Une dizaine? Je commence à en avoir marre. Apparemment, je vais changer de bureau. Donc, la position de la caméra pourra enfin être meilleure. J'espère, en tout cas. La webcam, hein, pas une caméra, hein, d'ailleurs. Je dis caméra, mais bon, c'est une webcam.
Elle pourrait être plus droite. Normalement. Si c'est encore un magma worm. C'est un magma worm. Ah, Wandering. Ok, je me disais. Je me disais. Est-ce qu'on a des balles? On les a. C'est rapide. Expéditif même, j'ai envie de dire. On allait sur Expedia. Qu'est-ce que vous faites tous là? Parez-vous! Beaucoup. Ça c'était un beaucoup, j'avoue. Je dirais qu'il y a un bug avec le saut quand même. Hein. Ça m'étonnerait même pas, mais. Laser et en dessous. Do what you want because a pirate is free. You are a pirate. 75 quoi. Déjà! C'est immense hein, 75. Y'a du monde là en dessous, dites-moi. J'ai pas pris de dégâts. What? What? Comment j'ai fait? Bah oui, là je pensais prendre un dégât, vous avez vu le monde qu'il y avait. Dites-moi comment c'est pas possible. C'est impossible de résister à ça. De rester en vie. Je dis pas non hein, après. Eh ben non. La musique qui s'emballe juste au moment où je me barre. On se calme. J'ai failli prendre le dégât de folle. J'ai pas encore pris de dégâts, donc j'espère garder ça. Ça fait 1. On a le droit encore à une deuxième chance. Pourquoi je suis venu dans cette zone en fait? Y'a trop d'ennemis chiants, j'aurais pas dû. Trois niveaux sans se faire toucher une fois. Il faut... C'est un beau combo ça. Je le lance. Allez, je le lance. Il y a une énorme chance de Magma Worm, mais. Ta mère! Bon, on va rester dans la première zone plutôt, ça va être plus safe. Ah. Oh Seigneur Dieu, j'y arrive pas. C'est un 25 au-dessus. On va attendre plutôt le 25 en premier.
Avoir un petit item blanc, ça fait toujours du bien. Jack. 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 Je regarde trop de Spazi, je crois. Se prendre une branlée, je veux la définition, s'il vous plaît. Je reste toujours sur cette victoire de Fnatic, du coup, aussi. J'espère qu'ils sont passés en demi-finale. Ils ont passé la demi-finale victorieux. Et la finale, peut-être, aussi. Est-ce qu'on a la finale? Je crois. Ouais, on a la finale quand je poste l'épisode. Donc dites-moi comment ça s'est passé. Ce placement est ridicule. Espèce de connard. Alright, oui. J'avoue que le bonus de movement speed est appréciable, mais comme je le dis à chaque fois pour cet item, c'est un burst de vitesse. C'est pas de la vitesse constante, donc ça c'est chiant. Pas mal de coffres, ça qui est bien. Allez, venez, grouillez-vous. J'ai dit grouillez-vous. Grouillez-moi. Hitbox. Ah. Je commence à en avoir marre. Ah, heureusement que vous avez ça en accéléré, vous. Sauf ces moments-là. Eh ouais, je sais ce que je vais faire au montage, déjà. Oh, putain. Une heure que je suis là-dessus. Putain. La difficulté ne change rien. Yes! Ok. Ça, ça peut m'aider. J'ai bien fait peut-être de prendre Kane. Qui est une amélioration. Enfin, pas une amélioration. Mais je vais me buter! Putain, pourquoi je me fais un dégât tout seul? Faut que j'arrête ça. Je suis repassé en monsoon. Et j'ai mis Kane. Kane qui fait spawner un seul type d'ennemi sur le stage. Et j'ai eu la chance de trouver des lémuriens. De tomber sur les lémuriens. Mais putain! Non. Non, 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 non. Non. Faut aller sur quelque chose d'autre quand tu es dans le dry lake. Ça se passe comment, ça?
Ok, ça je peux jouer. Zao, ça je peux le tenter. En plus, ça va me donner pas mal d'argent. C'est bien. Level 3 déjà en 3 ennemis. Peut-être que j'ai eu la bonne idée à mettre qui. Ouais, vraiment la bonne idée. Alors évidemment il manque toujours la dernière upgrade, enfin la dernière upgrade, la dernière le dernier mode à me choper. Parce qu'il est compliqué à choper. Il est extrêmement compliqué. Reviens. Il m'a esquivé! C'est officiel, je hais ces putes. Ces petites merdes. Comboed. Même pendant l'événement du boss, hein, il n'y a qu'un seul type de mec qui spawn, c'est ça qui est bien. Ah, il y en a un qui est mort grâce à la fusée. Minefield. Vous avez vu où j'étais? C'est pas normal que ça touche, putain. On va faire drop des mines là pour ceux-là. Voilà, au revoir. Niveau 7, on doit pas se faire toucher, n'oubliez pas.
pas là où je voulais aller. La roquette. Encore une quinzaine d'ennemis. C'est à peu près ça, je dirais. Je veux la même config, c'était la meilleure des configs, je reveux la même. Je suis désolé de pas parler, mais de toute façon ça a accéléré, mais... Putain! Ça m'énerve tellement. Pourquoi, putain? Oups, j'appuie sur contrôle. Pardon, Windows. Contrôle n'aurait rien fait, mais Windows, oui.
Maintenant ou jamais. J'espère pas jamais. Deux niveaux. Et bien avec cette vidéo, c'est quand même que je vais pouvoir la monter après mon retour des vacances. Rapproche. Deux ennemis. Maintenant, appuyer sur le téléporteur et se barrer. Hein, Ah! Un blight! Ah bah dites-moi, j'ai bien fait Ow. Il est monté en plus, ce con.
qu'est-ce que ça fait de voir la carcasse de ses amis morts. Je crois que j'ai bien fait hein, de ne pas aller pour le boss. Même s'il était devant moi, c'était une très mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Je m'attendais pas à un blight parce que je croyais que les boss ils spawnaient quand même. Bon, ça va pas se faire, hein, on le sait, ça va pas se faire. Mais au moins. Au moins. On sera resté intouchable pendant 8 minutes 12. On aura fini les challenges avec le mineur. On aura chopé Shattering Justice, qui est un bon item rouge. Un très bon item rouge. Et... Oh oh. Et... On est à plus de 90%. 91,3% du jeu complété. Il me reste deux Monster Log. Deux boss. Il me manque Acrid, de ce que je vois, et Providence. Je crois qu'il y a un Monster Lock pour Providence. Donc, on y est presque. On se rapproche. Les 25 minutes au niveau du Handy, je le ferai tout seul. Engineer, on le fera au prochain épisode. Voilà. Acrid, on le fera aussi dans pas longtemps. C'est assez chiant. Il faut une Infinite Run. Et Loader aussi, il faut une Infinite Run parce qu'un Overloading Magma Worm, il faut une Infinite Run. Et ça aussi, je le ferai tout seul. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous au... Oh, ça a pris trop de temps. Au prochain épisode. Ciao tout le monde.